De cette manière, je pourrais vous enchaîner avec un autre tirage. Certainement à partir de jeudi. Ça vous va? Vous aimez bien le jeudi? C'est bien jeudi. Je vais voir ma grand-mère jeudi. Ça fait des lustres que je suis pas passé. Vous voyez encore vos grand-mères? Ou vos grands-parents? Bon, moi j'ai la chance d'avoir encore une grand-mère, donc il faut quand même... assurer une présence. Je lui fais boire du holy. Ta grand-mère pour qu'elle garde la forme. Ma grand-mère, elle danse de ouf. Ses passions, c'est la danse, les jeux de cartes, et aller dans des brasseries, mais faut pas que ça fasse vieux. Faut qu'il y ait encore une activité autour, donc ce qu'elle aime bien, c'est aller du côté de la Belgique, parce qu'elle voit des jeunes qui vont en boîte, et du coup, ça crée un dynamisme. Même si elle va juste manger une frite. Tu changes quoi en triple stri? Si je mets eu triple stri, je mets eu double pad, avec un anneau pilose et eu double torqué. Avec un sac au cher, mais voilà, sac au cher, ça coûte. Ce qu'il y a, c'est que c'est un mode où il faut jouer avec un Dove Sylvestre pour avoir un mode 6PO, donc pareil, ça coûte. Alors, j'aime bien, en vrai, ils mettent toujours des grandes salles pour le Dazak, c'est cool. Ils pensent à nous. Ouais, je pense qu'ils pensent à nous. Ils sont sympas. Dites merci, Hang. Dites merci, Hang, dans le chat. Meilleur mode Cramulti 12-6 PVP 200. Bah, tout est sur le site. Est-ce que j'ai du mode multi après sur le site? Attends, il faut que je les emmène. Putain, c'est pas simple, hein. Peut-être que c'est un baby flop. Mais le placement early, il est hyper important. Dernier, faut tuer lui en dernier. Pouah, la galère. Il saute T1 ou pas? Je sais plus. Ah mais de toute façon, putain, j'ai l'œil de taupe, je suis trop bête. Donc on va devoir compter sur le cancel de son saut. Heureusement que je suis HPI. Je sais plus s'il saute. Il saute T2, d'accord. Ah mais on est T2 de toute façon après. Donc si je mets ça là, il saute, il se déplace, il fait rien de spécial. Passe tour, noob. Ouais, il saute sur le barricade. Et il flop. Baby flop tout. Panda! Bah finalement on a bien géré là le terrain. Bravo à tous. C'est pas facile et chacun a trouvé sa place, bravo. Hyper prétentieux intellect, qui? Non. Non, pas... Aucune prétentieuserie. Et c'est un tour sur deux la TP? Histoire d'être sûr. I think that it is one turn sur deux. Putain, ce qu'il prend, lui. Hop, on met ça,
On met la mise en garde. Et vous m'avez pas dit c'était un tour sur deux. T'avais dit quoi sur la part pour le famille stuff en sera un PVP? J'avais dit le cadabra. Où sont les subs? Là, je ne vois pas les subs. Regarde, tu vois, là, j'ai un cadabra. Alors, regarde un petit peu, mais avec le cadabra, quand je suis en mode créature, mon personnage, il saute moins. Regarde, son saut est cancel, arrivé au sommet. Je vais faire des lancers de pièces, par exemple. Des opportes. T'as vu ? Et là, la deuxième anime n'a même pas généré de saut. Donc, le cadabra, c'est un moyen de bypass ce genre d'animation. On gagne vraiment pas mal de temps. Mais un tour sur deux, un tour sur deux. Bon, on va dire que c'est un tour sur deux. J'ai un chat qui ronfle. Pourtant, vous aimez bien hein, les songes. Mais ça vous arrive de ronfler. Peut-être parce que je suis pas assez intéressant, du coup. Désolé. Je retire. Ouais, bah on fait pas dernier, hein. Ouais, fuck dernier. Donc là, il va monter en état pour le délock. Il faut bien qu'il se rapproche. Et une trophée obèse qui jump pas. Ouais, par là, ouais. Hey, mais il s'en bat les couilles de la pesanteur. Pouh, j'avais zappé. Super. Pas dire que je suis déçu. Parce que ça veut dire que je m'attendais à quelque chose. Hop, hop. Ça recule. La dispé. Poulette. Bourrasque. Bourrasque, Silbo, Giboulé. Voilà, et quand même, on a pas mal de déplacements. C'est pas grave que les nus soient morts. C'est une leçon. On pousse, on pendige. On pendige. On porte, on propulse. Ouais, il faut lui faire un maximum de déplacement. À chaque fois, il perd 5% à distance. Donc, on peut pas taper. On pousse, on pousse. On pousse, et comme je vous disais, on pousse. Par contre, il faut que je donne de la PO à mon Feka. Parce que là, il va devoir bloquer la TP du Dazak. Hop. Donc, il me faut à la fin 2 PA. Donc, je vais faire Bourrasque. Silbo Jibou. Et une barricade ici. Il jump, mais il est con, donc il jump au cac, et voilà. Bon, bah c'était sympa. Voilà, par contre, je vais me pousser, mais il a plus trop de raise, hein. Vraiment, je l'ai bien atomisé. Cool, bien joué à tous. Pouf. Pouf. Ça, c'est sur un 20 et 30% raise, hein. 30% raise, là. Il a beaucoup de PM. C'est un danger. C'est de ma faute, hein. J'ai houlette. Au lieu de juste le pousser.
Et quoi? Pourquoi il va par là? Hop, faudra cancel l'ATP, le chat. Quel Rox! Je ferme les yeux, j'ai l'impression d'être à un accouchement. Zadak, il a l'air bien ZZ. Bien ZZ? Oh non, ça va, y'a pire. Et mon avis est biaisé parce que je suis un très gros joueur PVM, hein, sans doute, sans doute. Bastion. Non, Dazak, j'ai appris à l'apprécier, honnêtement. Alors, 9000 de vie. Est-ce que le FK fait 3000? Je pense pas. Donc il n'y a plus de PO, le pauvre. Purée, la galère. Alors ça fait du 1002, je pense. 1000? Ouais. C'est bon, wow, je l'ai tenté, le chat, j'ai tenté. Non, regardez, on est sur un 10 minutes 20. Tout à l'heure, c'était quoi? C'était un Shenmue, on a mis 12 minutes.